Sébastien Firpi, je travaille comme psychologue clinicien au sein d'un service qui s'appelle le service psychiatrique ambulatoire aux détenus, l'hôpital de centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence. Voilà. C'est par le biais d'une association qui s'appelle l'Appel des Appels, une association très importante dans le secteur associatif marseillais et qui représente beaucoup le secteur hospitalier, mais pas que. Ça prend aussi en considération une pluralité de métiers plus importante, les métiers de l'humain, on appelle ça, et qui avait pris contact avec les ateliers démocratiques pour fonder l'hôpital public. Et je participe un peu à ce collectif des collectifs en référence un petit peu à cette association et via aussi la spécificité de ma fonction. Ben, dans la pratique du quotidien, il y a une véritable transformation de ce qu'on pourrait appeler à l'origine l'institution, c'est-à-dire le lieu où s'institue un rôle social de pouvoir accueillir toute personne qui demande de l'aide et qui suscite une mission de l'État primordiale dans le sens politique originel, c'est-à-dire comment une institution devrait être portée par ce que le politique soutient de prendre soin du lien social. Et que ce soit les institutions hospitalières, mais aussi plus largement sociales, médico-sociales, associatives, culturelles, sont soumis de plus en plus à des dispositifs d'évaluation normatifs, qu'on pourrait dire un petit peu pris dans des dispositifs d'excès du néolibéralisme au niveau d'une forme de technocratie qui empêche les gens qui pratiquent de pouvoir soutenir les fondements de leur pratique, du côté de l'écoute, du côté de l'accompagnement, du côté de la possibilité de soutenir ce qui est censé se mettre à l'œuvre vis-à-vis d'une forme de souffrance ou difficulté plus générale que les personnes manifestent dans la rencontre du quotidien. Et tout ce qui est aujourd'hui campé du côté d'une nécessaire rentabilité transforme la mission originelle de ces institutions et qui coupe et qui empêche la possibilité de pouvoir continuer notre pratique, c'est-à-dire ce pourquoi un désir s'est forgé, de s'investir dans un lieu, alors tel que l'hôpital, en l'occurrence, en ce qui me concerne. Voilà, la question des horizons, c'est une question un petit peu lourde et complexe. Je ne sais pas si on pourrait déterminer la question de l'horizon comme quelque chose d'un but qui se détermine. Peut-être que l'horizon, ce serait justement une espèce de trait comme ça, qui représente une forme de visée. On pourrait l'attraper un peu d'un point de vue utopique, mais pas une utopie qui se matérialise et qui se concrétise. Plutôt une utopie qui touche à une forme de trou, voilà, dans lequel un espace se forgerait pour continuer à penser et continuer à inventer. Dans les ateliers, au départ, quelque chose a émergé qui a été de l'ordre du témoignage. C'est-à-dire que beaucoup de gens de secteurs hospitaliers très différents sont venus un petit peu raconter quelle a été leur spécificité de pratique d'une part, mais aussi de ce qui s'est joué au sein des différents établissements ou institutions hospitalières qu'ils représentaient, alors que ce soit somatique ou psychiatrique et avec toutes les spécificités qu'ils composent. Et ces gens-là ont pu mettre en avant, dans ce témoignage, comment les excès bureaucratiques étaient complètement mis de côté pendant un temps de crise. C'est-à-dire que tout ce qui en était de la responsabilité administrative a appelé à l'aide les responsabilités médicales et soignantes du quotidien pour remettre au premier plan toutes ces fonctions. C'est-à-dire quelque chose de l'originel des métiers a repris forme. Parce que, justement, tout un système hiérarchique s'est un peu mis de côté pour permettre ça. Ils sont venus donc témoigner de tout ça. Donc il y a plusieurs temps. Il y a le temps du témoignage, le temps de l'après-coup d'un peu le penser, et on peut espérer un après-coup de l'après-coup qui sera peut-être un peu plus proche de la question de le structurer, ou en tout cas s'autoriser à ce que quelque chose puisse se penser un peu de cet ordre-là. Voilà. Donc entre Paris, Marseille, il y a un peu peut-être cette évolution-là. Quand on se situe dans un travail au quotidien en psychiatrie, on est très... En tout cas, en ce qui me concerne, et on est quelques-uns dans cette affaire, je dirais, du côté de la psychanalyse,
Les psychothérapies institutionnelles nous aident beaucoup à penser ce qu'il en est de la clinique du quotidien, alors sa structuration théorique, la façon aussi de concevoir quel est l'accueil des personnes les plus démunies dans une société où un public pauvre et « fou » entre guillemets est tombé en faillite, donc dans tout ce qu'il en est de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et ce modèle-là est quand même un modèle qui permet de penser comment, quand quelque chose se passe de grave dans un moment de crise inédit, une possibilité fait effraction de le penser. Et c'est très possible que la question du soin, que la question de la façon dont on traite les fous, puisse être un modèle d'une manière de repenser le politique. Une possibilité. La question de l'imaginaire et la question d'instituer, c'est certainement les mots-clés. Ça semble être une question à laquelle il est impossible de répondre. Enfin, moi, j'ai envie de considérer ça du côté d'une visée. Alors, je disais tout à l'heure utopique, c'est parce que pour moi, c'est ce qui contre l'idéologie. C'est-à-dire quelque chose qui est une percée, une visée, c'est-à-dire supporter, qui est en quelque sorte quelque chose qui ne s'attrape pas et qui est impossible à déterminer. Voilà. Alors après, quand on dit un modèle, c'est une idée. C'est-à-dire que si jamais quelque chose se passe à l'hôpital, dans la façon de témoigner du soin, de témoigner d'une structuration, de cette question de s'organiser à plusieurs pour pouvoir inventer, ce n'est qu'une possibilité qui émerge d'un lieu. C'est pas quelque chose qui peut s'établir ou se transposer partout. C'est-à-dire que tous ces lieux-là, c'est aussi ce que l'appel des appels, pour moi, porte, hein, au travers de ces deux psychanalystes qui l'ont fondé, Chédry et Gori, où il y a quelque chose de très fort qui peut se pluraliser du côté des métiers de l'humain. Là, on a peut-être une solution. C'est-à-dire que la culture, la justice, le soin, et tout le secteur un petit peu social que ça déploie, si la même question se fonde au même moment, si un même mouvement se crée dans le même instant, peut-être qu'il peut y avoir émergence que quelque chose se passe. Thank you.